Hello, bienvenue dans cette première leçon du cours Les bases d'Excel. Nous allons ici apprendre à nous déplacer dans une feuille ou un tableau. Un classeur Excel est constitué d'une ou plusieurs feuilles. Nous pouvons naviguer d'une feuille à l'autre en utilisant les onglets situés en bas de la fenêtre. Vous pouvez également vous déplacer de feuille en feuille en utilisant les raccourcis CTRL, page suivante, et CTRL, page précédente. Tout d'abord, nous avons une feuille vide. Grâce à la souris, nous choisissons la cellule dans laquelle nous souhaitons nous positionner. Nous pouvons également nous déplacer à l'aide des touches de direction. Les touches page suivante et page précédente nous permettent de descendre et remonter notre cellule sélectionnée d'un écran complet. Sur mon écran, je passe de la ligne 1 à la ligne 39, puis la 77. La touche début nous permet de nous repositionner en colonne A tout en restant dans la ligne courante. Si nous cliquons sur CTRL début, nous revenons en cellule A1. Nous avons maintenant un tableau contenant des données positionnés aléatoirement dans notre feuille. Nous pouvons nous déplacer à l'extrémité droite en cliquant sur CTRL droite, à l'extrémité gauche en cliquant sur CTRL gauche, en haut avec les commandes CTRL et haut, et en bas avec les commandes CTRL bas. Dans la prochaine leçon, nous allons saisir des données. N'oubliez pas de cliquer j'aime si vous avez apprécié cette vidéo. C'est ce qui m'aide à faire connaître la chaîne. Et pensez à vous abonner pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez me contacter en commentaire ou via le lien que vous trouverez en description. À bientôt!